ta daronne qui se fait baiser par sous la douche, fils de pute. Grand-père, j'espère qu'il est mort d'un infarctus, d'un cancer foudroyant, gros fils de pute. Vous savez quoi, je vais vous dire combien je gagne avec YouTube et tout. Les gars, vous êtes prêts, regardez, hein. Ne vous croire, je suis une fille, on va me donner le perso, mais direct. Sorry, guys, can I take Solis, please? Oh! Thank you, man. Oh, ça passe! Ça, c'est une nouvelle astuce, les gars. Prochain des astuces sur R6, je mets celle-ci en première, là. Oh, le BDG, mais je te jure. J'aurais pas dit mieux. Salut, petite question, est-ce que R6 va remettre les chasses aux terroristes? Assistance Ubisoft. Attends, bouge pas, frérot. Ah, ça, c'est une bonne anecdote, ça. Il y avait une fois où j'étais en game. Le gars, il m'avait reconnu, mais du coup, je savais pas. Et pendant la game, on... je sais pas, je crois que j'avais un peu embrouillé, mais genre pas méchant. Je parlais français aussi, et du coup, je me suis dit, ah, puis à ce moment-là, j'étais vraiment à mon prime sur YouTube. Je me suis dit, bon, peut-être me calmer au cas où c'est un mec qui me connaît, tu vois. Et après, je me suis dit, bon, finalement, il me connaît peut-être pas, et je vais le démarrer parce que vraiment, il faisait des actions de merde, genre. Et... mais à l'époque, j'étais encore un malade, hein. J'étais un matrixé de R6. Je l'ai insulté, mais ouais, tout son arbre généalogique, le pauvre. Tu vas déterrer tes morts, le cercueil de ton père, ta merde. Et fin de la game, du coup on l'a fini et tout. Et il me dit, bah en tout cas, ça, je kiffe tes vidéos, continue comme ça. Vous voyez le mème de Homer Simpson qui rentre dans mes couilles là, bref. Là. Bah j'étais comme ça. Vraiment je me sentais, genre je voulais disparaître de là. Bah, c'était la fin de la game, tu vois, ça va. Hein. Mais je me suis senti tellement mal. Oh. Ok les gars, je colle, il spawn kill CCTV, il est mort. Je le tue, je lui mets un one tap, je lui mets tout ce que vous voulez, il est mort, je l'arrache. Je lui arrache sa grand-mère, je lui arrache toute sa famille. Et ça va commencer ici. Et ça va péter, péter. Vous attendez, vous allez fouiller. Oh, y'a un mec qui m'attend là. Y'a un mec qui m'attend, ou je ne sais pas, mais je sais qu'il y a un mec qui m'attend là. Bah, il était là. Ça sent un one tap. Oh là là, Robert Kay, mes petites poulettes. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il va push, il va pique le alibi. Moi, exactement ce que j'ai dit. Voilà. On en fait pire que le bacon. Africain comme Macon. Attends juste ce qu'on décolle. Faut pas prendre la faute juste pour une conne. Oh, j'aime ce qui est ton. Échec son boyau comme ma Kingston. On décale juste toi, moi, elle pas. J'ai quand même tout donné dans la game, ça fait un peu chier. Non, franchement, c'est con. Top, top, top. Hey, un tuto comment être aussi beau que toi. Ah, ah, ah. Oh, vous arrêtez un peu là. T'es trop beau, Sei. Wesh, mec, t'es trop beau. Tu me fais bander. Arrêtez les gars, s'il vous plaît, c'est gênant. Franchement, c'est gênant. Arrêtez, s'il vous plaît. Je le sais que je suis beau, mais pas besoin de me le dire comme ça. Franchement, les gars, arrêtez. J'ai dit avec un gros Wallach, tu peux rien nous niquer là. Ah, t'as un Wallach là ? On est calme, ouais. Putain, mais t'en as vraiment un du coup là ? Non, non, je suis juste fort. Ça va toi dans ta vie, je veux dire, frérot ? Tu vas bien ? Bah, ouais, je vais bien. Et tu prends du plaisir à jouer là ? Bah, ouais. Hey, frère, là, j'ai travers personne. Hein. Je suis juste allé dans l'objet. Frérot, t'as push comme un fou, t'as fait 5 kills les années, tu l'as suivi à travers le mur. Mais bon, on va pour un con. Mais frère, quand et enfin, ça te. Tu verras bien. Et si je m'habite, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, ferme ta gueule un peu. Attends, mec, tu fais ton psychiatre, va te faire enculer ton psychiatre de. Attends, mais vous avez 30 ans ou je rêve là? Vous avez 30 ans, vous vous cheatez sur le jeu? Bon, attends, je te mute, frérot. Mais ça, c'est un rire de daron, ça. Vous cheatez sur un jeu, les gars, vous vous rendez compte quand même. Mais on cheat pas, on est juste fort. Mais arrête. Ah, vous vous rendez compte quand même que humainement, genre, vous êtes des merdes. Vous êtes des grosses merdes, genre. Mais regarde, j'ai rien fait, c'est que t'es un gars. Démute mon pote là. Non, je le démute, il a l'air de vouloir me dire quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est good night. T'es démute. Oh non. Oh, démute, good night. Ouais, il est démute, c'est 3 fois que je te le dis, frérot. Allô. Chez McDo. Bon, du coup, qu'est-ce que tu veux me dire, mon petit pote? Ouais, tu m'entends? Bah, ouais, je t'ai démute, quoi. Ouais, je t'entends, du coup, connard. Comment, connard? Oh, ta daronne qui se fait baiser par une sous la douche, fils de pute, hein? Ton grand-père, j'espère qu'il est mort d'un infarctus, d'un cancer foudroyant, gros fils de pute.
Et j'espère que ta mère, elle meurt d'un arrêt cardiaque tout de suite. Enfant de pute de 3ème génération de fils de pute. Frérot, t'as 33 ans, tu cheats sur R6, mais j'espère que. J'espère que ce soir tu dors et tu te réveilles pas, espèce d'enculé, va. Fils de pute. Ferme ta gueule, fils de pute. Enfant de pute, fils de pute, fils de pute. Oh. Oh putain. Salope. Salope. Attends, je fais une clope et je t'insulte. Non, pas toi, ta gueule. Mais l'autre frérot, ça te dérange si je te mets sur TikTok? Non. Parfait. Ta grand-mère. Mais frérot, mais frérot. Mais... Oh, Ubisoft, vous êtes les darons, les putes, Ubisoft. Allez, j'ai mis une boîte à daronne, la pute. Allez, t'es notre pute maintenant, mais vaillant. Là. Mais vaillant, dépêche-toi, sale pute. Waouh. Moi je vais insulter la mort 45 fois, mais le problème c'est que je suis en live, je peux pas dire grand chose. J'avoue que je l'ai même pas signalé vocal. Genre pour moi ça paraissait normal. Honnêtement ouais les gars. Ah mais... Mais can you call guys? He have a man on the window, what are you doing man? What the fuck? Ça va quoi les gars dans le chat? J'ai envie de tenter quelque chose les gars. Et dans la vie quand on veut... Il est tenté une chose, il faut tenter la... Putain j'ai plus de cam. Je sors quand même ou pas les gars? Oui? Allez je sors. J'ai bien fait de sortir. Ah là 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 là. Pas mal, pas mal. Vous savez quoi, je vais vous dire combien je gagne avec YouTube et tout genre. YouTube par mois, environ, je me fais à peu près 60 euros. À peu près. Sachant que j'ai des vidéos qui font toujours des vues et qui sont déjà postées. Et quand je fais des vidéos, en fait, plus je fais de vidéos, plus je fais d'argent. Mais j'ai pas trop la motivation en ce moment, donc voilà. Avec Twitch, en fait, il faut que t'aies 50 euros minimum pour être payé. Et les 50 euros, je les fais à peu près en 2 mois. Donc voilà. Et TikTok, les gars, c'est à peu près 100 balles par mois. Donc je peux pas vraiment vivre avec des réseaux. Mais je pense que si je m'y mets à fond, oui. Surtout avec TikTok. Mais honnêtement, j'ai pas le temps ni l'envie. Mais j'ai vraiment pas le temps pour le coup. Y'a pas des fenêtres là? J'ai une câble là. Oh, ça, c'est un bon spawn kill par contre, ça. Je vise là, là. Vas-y, viens pique, frérot. T'es un monstre. Toi, t'es un monstre, toi aussi. Good night. Oh, je les ai allumés à la SMG là. Mama. Oh là 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 là. Est-ce que là il y a un petit frérot, une petite sœurette? Vas-y, reviens. Ça bug là. Récemment j'ai découvert la 417, le fusil coup par coup pour de Twitch à Lyon et j'ai trouvé une scène. Non, c'est vrai. Ouais. Voilà, jouer. Tiens, je vais la jouer. J'avoue, ça fait un peu longtemps que j'ai pas joué cette arme. Il est mort. La K-117 elle est incroyable. Ouais, j'avais oublié qu'elle était folle cette arme. Merci mon petit Snoop. Mais quoi? Ah, nice, merci. Les résumé du live, on a fait 6 games, 4 lose, 2 win. C'est... Bah, c'est de la merde. Oh, pour me remonter le moral. Est-ce que c'est bon pour vous? Bah non, c'est pas bon. Soit vous avez plus vos deux bras, soit vous avez plus vos deux jambes. Qu'est-ce que vous faites? Et pourquoi? Juste, y'a pas de prothèse, y'a pas de bras mécaniques, jambes mécaniques. Hein. C'est à vie, genre. Mais je pense que je préfère limite ne plus marcher. Que les bras, gros. Je garde mes bras pour la pignouf. Pourquoi ça me fait rire? J'ai quel âge? La réponse, gros, mais elle est géniale. Ok, les gars, si je fais pas le clutch, ça c'est que je me coupe une couille. Bon, allez, j'arrive, les gars. Ça va, les gars?